bisi kunyole le bonne moi agwa kunyo 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 agwa kunyo 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 agwa kunyo le je bonne moi agwa kunyo moi 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 agwa kunyo I'm gonna say, 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 I'
Du bruit ce soir pour Jésus. Fais du bruit. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta victoire? Pour ta victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Celui que je vais t'annoncer. Amen. Oui. Il est celui après le passage duquel la sorcellerie prend fin dans une famille ou dans un village. Alléluia. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai l'honneur cette nuit de te présenter le prophète Joël Crasso. Shalom. Qu'on acclame Jésus pour son serviteur. On acclame justement Jésus pour son serviteur. Il n'y a pas plus puissant que le Dieu que je prie. Le Dieu que je prie au-dessus de la sorcellerie. Il a vaincu le fétichisme. Il a vaincu la sorcellerie. Yeah, I see you.
Le chant nous parle de la persévérance. Il y a un oiseau qu'on appelle Cricoco, ça s'embêtait. Et l'oiseau, lui, perce les bois secs. Vous savez bien que l'oiseau, quand il commence à percer, tant qu'il n'a pas percé là, il n'arrête pas. Et c'est pour dire, Dieu nous conseille la persévérance dans ce chant. Cricoco, le I'm not gonna be here.
Les merveilles de Jésus. Jésus n'y est pas voyant maïmo. Comment Jésus peut sauver? Comment il peut encore délivrer? Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci de conduire ce moment. Merci de nous bénir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Je suis le prophète Crasso. Le premier prophète Crasso. Amen. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bah, il faut moi, gendarme. Moi, je combats la sorcellerie.
à visage découvert. Amen. Voilà, c'est parce qu'on est venu dans la famille qu'on s'était un peu sur le problème du village. Chaque région a sa tradition. Je préfère me taire. Je vois, mais je me tais. Voilà. Sinon, sorcellerie là. Sinon, bah, c'est pas dans la famille, ils sont là ici. Hein. Il y en a ici beaucoup, beaucoup. Ah, il y a des marmites même dans le village. Mais je ne suis pas venu pour ça, donc je préfère me taire. Pour ne pas déranger, pour ne pas créer d'autres choses. Je suis venu pour un travail. Amen. Donc, mon don, c'est de détruire la sorcellerie. Celui, c'est énervé, je m'en fous. Voilà, moi mon don, c'est attaquer la sorcellerie. Et je sais que Satan peut attaquer Satan. Je sais que sorcier ne peut pas attaquer son ami sorcier. Les gens disent, ah, c'est sorcier qui attrape sorcier. Bon, policier qui attrape bandit. C'est parce que les bandits qui l'attrapent, policier et bandit, dites-moi la vérité. Bon, policier, non, tu es bandit. Ah, son policier, tu es bandit, tu es bandit. On l'appelle force de l'ordre, une main de l'ordre. C'est comme ça, nous autres, nous mettons de l'ordre dans les villages et dans les familles. Parce que le diable sème des désordres dans les maisons et dans les familles. Nous nous mettons de l'ordre. Parce que Dieu que nous prions est le Dieu d'ordre, pas de désordre. Nous prions Dieu d'ordre et pas de désordre. Quand le diable parle, mamie, je n'ai pas fini avec toi, mets-toi là-bas. Tu es Soubaga, on n'a pas encore fini avec toi, mets-toi là-bas. C'est quand on va finir, on va te donner bonne place. Chez nous, va t'asseoir là-bas. Bah, tu as beaucoup de choses à dire et puis on va clôturer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le diable, c'est le metteur de désordre. Ça va chez lui, traduit un peu. Ça va, il se débrouille. Vous parlez pas. S'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que moi, la gamine. C'est pas toi, franchement. C'est Nagni de Daloa. Hein. Ah, ça peut aller. Bon, allez, amen. Parce qu'il faut que les gens perçoivent le message. C'est très important. Vous devez percevoir le message. Nous sommes là pour que vous compreniez quelque chose. Or, la foi vient de ce qu'on a compris, pas de ce qu'on a entendu. Tu peux entendre un son et ne pas comprendre le son. Mais la foi vient de ce qu'on a compris. Amen. Bon, on va aller doucement, c'est ça? Parce que la mémé doit comprendre ce que j'ai dit. Oui. Elle n'est pas française. C'est ça. On fera et on fera que les mamans qui sont là, doivent comprendre. Notre ministère, dans le corps du Christ, Dieu a donné des dons. D'autres sont pasteurs, d'autres sont évangélistes, d'autres sont apôtres, et puis d'autres sont prophètes. Moi je suis prophète. Prophète, c'est-à-dire celui qui voit. Donc quand je vois, je parle, puis je fais mon travail. Chacun en son don. On se complète dans le Seigneur. C'est comme ça. Chacun vient faire son travail. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Qui ne croit pas à la sorcellerie? Qui ne croit pas? Qui croit à la sorcellerie? Amen. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer la victoire de Jésus sur la sorcellerie? Ok. Vous croyez tous à la sorcellerie? Très bien. Vous croyez à la sorcellerie? C'est-à-dire qu'on sait que ça existe, voilà. Ok. On peut savoir que quelque chose existe et puis on ne peut pas en être une grande connaissance de la chose. Et quand on ne connaît pas, on méprise la chose. Il n'y a pas trop de sérieux. Bon, vous croyez que la sorcellerie existe? Ah, ben, c'est que... Ça, c'est en français. Sorcellerie veut dire celui qui lance un sort. Il lance maladie, il lance blocage, le célibat, il lance un sort.
C'est ce que ça veut dire. Nous, les là, les mauvaises pensées. C'est ça. Donc, il n'y a pas de sorcellerie qui est bon. Sorcellerie, c'est négatif. Celui qui vous dit un jour, moi, je fais sorcellerie, pour moi, c'est bon, il vous ment. Non, mais on dit, somme qui me dit pas, comme moi, il dit, il me dit pas, il a l'autre, il a tout. Il n'y a pas de bon sida. Sida, c'est sida. Sida, pas loulou. Si tu as sida, c'est sida. Et sida, sida. Sida, non, pour moi, là, c'est bon. Non, sida, pas bien. C'est maladie, sida, c'est sida. Donc, la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Baillez, baillez. Celui qui lance un sort. Donc, celui qui a la sorcellerie, c'est un agent du diable. Comprenez-moi très bien. Vous allez bien comprendre mon message. Celui qui a la sorcellerie en lui, il est un agent du diable. Comme celui qui a l'esprit de Dieu en lui, est un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Comme on a le Saint-Esprit en nous, on est enfant de Dieu. Quand on a l'esprit du mal, les démons en nous, l'esprit, la sorcellerie, nous sommes agents du diable. Est-ce qu'on a bien saisi? Or, quand on est agent du diable, on fait les œuvres du diable. C'est dit, à présent, du manané, du manié dire. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10, le diable est comparé comme un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est lui qui usurpe. C'est-à-dire, il prend toi ta chance. Chacun d'entre nous est né avec une chance. Selon combien vous voulez, on est moi. On me saisit un peu. On me saisit un peu. Il y a beaucoup de sorciers, je vous regarde un peu. Comme c'est dans le village. Oui, si là, vos histoires, comme on est chez les Akans, là, vous ne parlez pas beaucoup. Parce que chez vous, il y a trop de protocoles. Mais celui qui assiste à ma prière, qui est sorcier, s'il va, ce n'est pas bon pour lui. Sinon, vous voyez. S'il va, c'est pas bon pour lui. Parce que moi je ne joue pas à la sorcellerie. Tu vas avoir diarrhée. On ne va tout te pas. Diarrhée qui va t'envoyer de l'autre côté. Voilà. Donc il ne faut pas jouer ça. Voilà, faut pas jouer ça. Donc je disais tout à l'heure dans mon message que le diable. C'est un usurpateur, un voleur. Il vole. On voit. Il détruit. On sait que. Et puis il tue. Il peut voler ta chance. Les sorciers peuvent voler votre chance. Voyez. Et puis aller vendre ça ailleurs. Non, attendez, moi, on a connu ça. Il vend ta chance, il vend ça ailleurs dans un autre village. Il vend ça. Et puis il détruit ta vie. Et puis nous, c'est personne. Personne sur cette terre n'est né par accident. Quand tu nais, tu as une destinée. C'est-à-dire tu nais avec le bonheur. Tout le monde est né avec une chance, ce qu'on appelle l'étoile. Quand Jésus est né, Jésus. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Qui veut dire chance, bonheur. Or, c'est ce bonheur-là que le diable éteint. Que la sorcellerie éteint. Il faut bien nous éteindre ça. Toi, tu sais qui est dans le noir. Tout ce que tu fais ne marche plus. Tout est bizarre autour de toi. Les hommes te voient. Comme le me dit. Tu ne peux pas voir Marie. L'argent ne te profite pas parce que ton étoile éteint. Il n'y a plus de lumière en toi, c'est devenu ténèbres. Parce qu'ils ont pris, ils ont jeté. On peut te prendre, bloquer ta vie. C'est ce que nous avons vu ici dans cette cour. La sorcière, elle prend un cadenas, elle bloque toute sa famille. Comment vous comprenez ça? Les gens sont en ville, mais sont bloqués dans un cadenas. Madame, beaucoup de baillés, mais on ne peut pas parler trop. Comment tu as fait? Écoutez très bien, faut parler à Nyi, et pas qu'on va Nyi.
Hein? Pas la il va parler en français. Eh, hey, allez-y. Je vais vous expliquer ce que j'en ai de dire. Comme j'ai commencé un message, j'ai dit le diable il vole et puis il détruit. Regardez un exemple. La destruction des œuvres. Le diable, comment il détruit une famille? Allons-y. Ma famille, à vous encore. Parle fort, madame. Bonheur, là, il n'y a pas ça en français. J'ai pris le bonheur de toute ma famille. J'ai pu l'enfermer dans ce cadenas. Comment tu as fait? Dépose. Dépose ça. La vieille, faut t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Il a parlé et il a enfermé. Non, pas la nuit. Et nous. Elle a pris le bonheur de tout le monde. Elle a parlé. Comment tu as fait? J'ai parlé. Mani. Elle a parlé. Comment? Tu as dit quoi? Le bonheur de ma femme. Le français, tu connais pas. Que le tout le bonheur de ma famille soit enfermé dans ce cadenas. Comment? Vous comprenez? C'est ça l'appel la destruction. Le diable, il vole et puis il détruit. Donc, tu as fermé comment? Je suis en train de te demander. Oui, du Dieu, il aime donner nous. Quand il finit de parler. Parle, Bani. Il va traduire en français. Quand j'ai fini de parler, de dire tout ce que je voulais dire, puis j'ai fermé le cadenas. Vous comprenez? Donc, tu as envie et puis tu es bloqué, n'est-ce pas? Voici la réalité de la sorcellerie. Voici comment la sorcellerie travaille. Tu as envie là-bas, tu es bloqué. Tu ne comprends pas d'où vient ton problème. Or, tu es dans le cadenas de la sorcellerie. C'est ce que Jésus dit dans Jean le chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Il vole la chance des gens, il détruit. C'est-à-dire, il vous bloque. Tu es dans le cadenas, tu as reçu comment? Bah! Qui va te regarder? Toi, quand le noir, ça n'arrive pas. On peut même pas te battre. T'as plus de pisse. Des gens bizarres. C'est là que c'est les gens que tu rencontres. Non, ce n'est pas moi. Il vient avoir, il n'y en vient pas. Tout est bloqué. Parce que il y a une action. Parce que son gars, satanique qui a été menée contre toi. Voilà. Pour dire en réalité, tu peux avancer. S'il n'y a pas ça, tu peux avancer. C'est que Nikeso Nunu. Si tu constates que quelque chose est bloqué, que tu n'arrives plus à avancer, ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui fait que tu es bloqué. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que on me comprend? Si quelqu'un me comprend, qu'il acclame Jésus. Si quelqu'un me comprend de toi, qu'il acclame Jésus. Si quelqu'un me comprend, qu'il acclame Jésus. Je vais vous donner un message très fort. Vous allez comprendre qu'il faut faire un travail de fond souvent. Et comment tu as fait? Tu es là, les gens ne te voient pas. Comment tu as fait? De la spiritualité. Parlez Annie, comme ça, tu vas bien parler français. C'est dans la spiritualité. En sorcellerie. En sorcellerie. Comment? En fermant le cadenas. Faut parler Annie, pardon. C'est là que j'ai fermé le cadenas. Pourquoi? Tu gagnes quoi en fermant le cadenas? C'est pourquoi? Quel ton cadenas nuni et puis les outils mettre le nuit. Mais rien. Elle dit quoi? Rien. Mais en fermant, elle faisait quoi? Quel ton nuit? J'ai qu'un Enfermant le cadenas, elle faisait quoi? Tu prends cadenas. Bah, c'est pourquoi? C'est la chance des gens qui sont en train de connaître. Très bien. Vous comprenez? Elle dit, elle condamne la chance. Elle dit, tu es chanceux, mais il y a quelqu'un qui est venu condamner ça.
Est-ce que tu as bien compris? 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 Ok. Eh bien, c'est ta famille. Qu'est-ce que tu as? Et pourquoi tu fais ça? Non, ça va être les jeunes. Et donc vous constatez que dans la famille, les gens constatent que le même problème, l'autre la vit, mais d'une autre forme, sur une autre forme. On a l'impression que tout le monde est bloqué, tout le monde ça n'avance pas. Mais si les différentes formes, mais on sent des blocages. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Est-ce qu'on va bien saisir? Parce qu'avant que le sorcier le tue, avant que construise, il détruit. C'est ce que vous devez comprendre. Les manifestations de la sorcellerie. Elle a bloqué. Maintenant, dans bloquer, tu as tué combien de gens? J'ai tué. On lui demandait, elle a tué combien de personnes dans toute sa pratique de sorcellerie. Tu as tué 120 personnes. Tu fais comment? Sinon, il y a quoi à brûler? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que non seulement ça, elle bloque la vie des gens, mais elle tue. C'est comme ça la société. Vous comprenez? Comme d'autres personnes savent que ça existe. Mais ça pas comment ça fonctionne. Donc, on ne peut pas s'arrêter sur le stade. Je suis à l'église, je prie seulement. Oui, c'est vrai. Mais il y a la délivrance. Tant que tu ne te déplaces pas, tu ne peux pas l'obtenir. Les délivrances, c'est encore un garçon. C'est ça que Jésus dit. Telle sorte de démon ne sort. Telle sorte. C'est-à-dire qu'il y a les différentes catégories d'esprits ne sortent pas de la même manière. Jésus, ses disciples ont chassé un démon, n'ont pas pu le chasser. Ils ont cherché le démon, ils n'ont pas pu le chasser dans Matthieu 17. Ils sont inédits à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Ce démon à nous résiste, il ne sort pas. Pourquoi? Jésus dit, ok, ce démon-là, c'est vrai, vous n'avez pas compris, mais ce démon-là, il faut une stratégie pour qu'il sorte de corps. C'est vrai qu'en version français, on dit, vous avez peu de foi ou incrédule. Non, il n'avait pas la stratégie. Il n'avait pas l'élément qu'il fallait. Alors je suis arrivé pour dire, pour le chasser ce démon-là, il faut faire le jeûne et la prière. Vous comprenez? Donc les démons ne se chassent pas de la même manière. Okay. On dit, les choses sont faites chez vous. Il y a la sorcellerie qui a bloqué. Il faut que quelqu'un vienne détruire ça. C'est simple. Vous avez compris? On ne peut pas rester à Paris ou bien à Londres, un pasteur pour dire à distance, à Zamaka là-bas, j'ai prié pour que le cardinal soit brisé. Il faut venir sur le terrain. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'ils ont fait. En venant sur le terrain, on a approfondi la délivrance. C'est vrai qu'on a entendu parler que la famille est bloquée. Chacun sait. Mais il faut poser une action de délivrance. Est-ce qu'on a bien saisi? Je ne vous sens pas. Hein? Vous avez peur du cardinal. Le cardinal est vaincu. Le cardinal est vaincu. Le cardinal est vaincu. Le cardinal est vaincu. Vous n'allez pas rentrer dans une sorte d'oublée. Voilà, elle est vaincue. Amen. La sorcellerie est vaincue. C'est cela qu'on entend d'exposer. Faut qu'on expose le diable. On dit qu'il est vaincu. Donc nous l'exposons. On dit que il y a une autre force au-dessus de la force de la sorcellerie. Il y a une autre force au-dessus de la force de la sorcellerie. C'est que nous avons combattu ce matin. C'est ça que toute la journée j'étais couché. Oui. Parce que c'est un combat physique, spirituel, qu'on mène, sachant qu'on a la victoire, oui. Mais il y a aussi combat. Combat, oui. Parce que quand on parle de combat, c'est qu'on a victoire, c'est qu'on a combattu. C'est ça qu'il a mis du temps pour venir. Amen. Mais écoutez-moi. Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Vous comprenez? Donc la stratégie du diable, c'est de voler votre bénédiction, les jeter ailleurs. Vous enfermez, vous détruisez. On peut te donner l'esprit d'ivrognerie, on peut te donner l'esprit de la prostitution, on peut te donner l'esprit de pauvreté, on peut te donner l'esprit
Tout son esprit. On peut changer ta vie. Et puis on peut te tuer. Bon, face à ça, vous voulez qu'on se tait. On ne peut pas se taire face aux œuvres de la sorcellerie. Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi les gens n'en parlent pas dans nos églises? Parce qu'ils sont là-bas. Bénis le Seigneur notre Dieu, prends le corps du Christ. Amen. Lui qui fait Amen, je le connais, peut-être les sorciers. C'est cela que la Bible dit. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ils tomberont tous deux dans le même fossé. Si tu es un homme de Dieu, il faut lui voir le don, la voyance de le discernement. Celui qui te tentait de faire Amen, est-ce qu'il disait qu'il est? Souvent les gens prennent l'anus. Prenons le corps du Christ. Amen. C'est derrière là-bas. Amen. Tu sais pas. Vous comprenez? Donc c'est cela qu'il faut en parler. Parce que le diable détruit. Il tue. Et c'est ça le problème. Il tue autour de nous. Le diable tue. Luc Jean 10, le verset 10. Le diable vole. Il tue. Et la vie humaine, elle est précieuse, frère. Je disais ça hier, frère. C'est parce qu'on ne connaissait pas la manifestation de la sorcellerie. Quand quelqu'un vient d'être initié à la sorcellerie, il a un an pour monter le grade numéro 2. Donc chaque mois, il doit donner une personne. Donc, sera un condamné au fracou qu'on sera con. Ça fait 12 personnes par an. À fois qu'on va midi brûlant. On m'a bien saisi. Attends, est-ce qu'on me dit, on me saisit? Attends, petit bois. Parce que sorcellerie là. C'est pas pour aller faire camaraderie. Ah non, je suis sorcier, il est là, vas-y, tu mens. Allez, dégage devant, tu es menteur. On l'a pas assiette là-bas. On va manger âme des gens. C'est ça qu'on les appelle mangeurs d'âme. Mangeurs d'âme. Eux travaillent la nuit. Pendant que toi tu dors, lui travaille. Tu n'as pas Jésus, il peut appeler ton âme, transformer en abouti, il te pèse bien, saut timbré, ouais, voilà là. Jésus, est affaire. Même copain, placali. Il mange. Oh ouais. Vois ton cerveau. Matin, tu es là, quatre mémoires là, tu es perdu, tu comprends rien. Il n'y a rien dans ta tête. Aussi, oui, aussi, oui, oh, bizarre, bizarre. La fois, voit à l'école, ils voient 0-0 tableau. Ils ont mangé son cerveau. Ils ont bu ça comme des guerres. Et c'est ça qui nous met en retard. Et quand tu es maillé, moi, il y a pas parce que tu ne peux pas avancer, mais c'est la sorcellerie qui te met en retard. Il y a quelqu'un là dans le secret qui sait ce que tu dois devenir demain et te détruit. Bah, et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Et les gens ne veulent pas qu'on parle. Ah, vous parlez de sorcellerie, mais sorcellerie existe. Je sais que dans une nation, la stratégie d'un gouvernement, c'est de mettre un ministère de sécurité en place. Parce que si on ne sécurise pas la vie des gens, c'est la catastrophe dans une nation. C'est le président Nassau, le gouvernement, enfin, ministre, mais le ministre de la sécurité, le policier, le ministre. Hier. Et sur la boumette, c'est bon, monsieur, il y a quand même un gars bien fait, papa. Le corps du Christ que nous sommes, nous avons reçu le pouvoir, le mandat de Dieu de mettre le diable au pas. Le diable, c'est un qui gâte la vie des gens. Le diable, il est méchant, il est mauvais. On appelle esprit méchant. C'est nous qui devons le mettre. C'est-à-dire mettre le diable au pas. Comme je vous disais tout à l'heure, un sorcier qui vient de commencer la sorcellerie va tuer une personne par mois, ça fait 12. Quand il a fini de boucler les 12 personnes, il passe un autre grade. Il monte en grade. Parce que quand on t'initie, ils vont te demander quelqu'un de plus cher. C'est quand tu donnes quelqu'un, tu adores la parole. Tant que tu ne tues pas. Donc quand quelqu'un dit je suis sorcier, il ment. Quand tu es sorcier, c'est que tu tues. Voici ce qui n'est pas bon en matière de sorcellerie. Ils ne font pas que gâter, mais ils tuent. C'est quel continent où les gens meurent seulement? Les jeunes meurent seulement.
Mais où seulement? Notre aile est pure, il y a la bouche partout. Elle est pure, on mange bio, c'est-à-dire on ne mange pas comme eux. Chimie, on mange bio. Nos parents ne connaissaient pas le diabète. C'est vous qui voulez manger croissant maintenant, café, vous prenez diabète. Sinon, on est couché là, c'est pas mauvais, faut tout coucher. Tu manges, tu vas au champ, il n'y a pas de diabète dedans. Amen. On acclame la nourriture africaine, tout le monde. La meilleure nourriture. C'est quel continent où les gens meurent seulement? En Europe, quand les jeunes meurent, aux États-Unis, mais c'est un scandale, les gens sont choqués. Des morts subites partout, les gens meurent en cascade. Ah, il est mort. Et ça choque. Quelqu'un qui avait encore de l'avenir, on le regarde, mais lui, on le tue. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Ah non, c'est la mort qui est naturelle, frère. Il y a des morts naturelles, et bien il y a des morts qui ne sont pas naturelles. Il y a des morts qui sont naturelles, et il y a des morts qui ne sont pas naturelles. Et la sorcellerie continue d'agir. Et nous restons dans l'ignorance la plus totale. Nous sommes ignorants. On ne sait même pas. Et le pire, le con, c'est que nos enfants sont dedans maintenant. Mais si on voit pour moi, il y a même un membre qui est mort. Ben, on va y aller. Tu as un enfant de 2 ans, il veut manger papa, il est couché. Il est le papa, il le voit comme. Il veut voir comme porc au fou. Il veut le manger. Il voit maman comme cabri, il veut manger. Parce que quand on te met dedans, ta mentalité change. Quand un père dans la sorcellerie, il voit son enfant comme cabri. Même si c'est bien, c'est comme vous voulez qu'il doit manger. Vous voulez avoir un accord, voici comment la sorcellerie travaille. Et les gens sont dans l'ignorance. Vous parlez des sorciers, laissez-les. On les laisse, ils travaillent. On ne les laisse pas, ils travaillent. On parle d'eux, ils travaillent. On parle pas d'eux, ils travaillent. C'est comme ça. Et puis, ils aimeraient qu'on ne parle même pas d'eux. Tu n'as aucune connaissance d'eux. Et puis, ils continuent de travailler. Quand un sorcier initié, il va là-bas, dans leur monde de sorcellerie, ils ne font que des réunions concernant leur famille. Dans ta famille, là-même, on a vu que Suzanne doit se marier. C'est pas ça? Il dit oui. Va gâter le mariage de Suzanne. Ce qui fait mal, c'est qu'on détruit l'amour. L'amour, c'est quelque chose de précieux. Amen. Aimer quelqu'un, c'est quelque chose, hein? Oh, le diable n'aime pas ça! C'est l'amour et bien. Tu veux mourir maintenant. Il n'aime pas voir les gens unis. Parce que l'union fait la force. Parce qu'à moi, non, c'est bon. Ils gâtent. J'ai vu des femmes qui sont allées, les mamans, qui ont gâté le mari de leur fille. Mais est-ce que comme ça? On a vu même les sorciers, les gens mariés. Et écoutez, quand vous voulez marier quelqu'un, il faut savoir qui la personne est. Ah, oui, il y a plein, il n'y a pas, hein. C'est la vérité. Ah, oui, il n'y a pas. Si tu maries une sorcière, tu es moi, hein. Ah, écoutez, il y a bien les bâillards à Oudé. Amen. Il y a des sorcières, elles ont transformé leur mari en femme. Bah, il faut le bédier. Là, ça fait mal. Parce que dans la chambre, tu penses que c'est chérie. Oh, c'est chérie qui te voit, chérie. On a eu un problème tout récemment à Divo. Il va au bourreau. Elle a transformé son mari, elle le prend. Elle fait l'amour à lui. Elle a transformé le monsieur en femme. Blabier, gros blabier. Ils sont contre, ils font les contre nature. Ce qui n'est pas faisable, c'est ce qu'ils essaient de faire. La sorcellerie peut te détruire. Bloquer ton avenir. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui devait aller en France, dans la rue de Soubré. Il a eu son visa. Ils l'ont mis dedans. Dans le passeport. Mais le visa. Il a rangé tous ses bagages. Il a rendez-vous à 22h à l'aéroport. Il s'est fait enregistrer, il va prendre son vol. 20h, plutôt, parce qu'on prend
Le rendez-vous, c'est à 20h, 22h, prend le rendez-vous. Donc il va à l'aéroport. 18h, il est pressé, un Parisien. Quand tu es nouveau, pour la viol, là, tu dois voir. Tu es pressé. Donc il est habillé en costume. Il y a tout là. Les commissions des gens, les placalis. On va envoyer la balle à manger. Costume comme un Bengis. Il est dans taxi compteur. Il va à l'aéroport. Il a arrêté le taxi compteur. Le taxi s'est arrêté. Quand il y a les taxis, il a pris le taxi. Il a mis ses bagages dedans. Arrivé à un moment, le monsieur a fait 500 mètres. Bien, et le taximètre s'est arrêté. Le taximètre dit, bon, ok, la voiture est en panne. Ah. Lui, il est pressé. Donc, le taximètre dit, sors et puis tu pousses la voiture. On va essayer de démarrer. Lui, il est pressé, il va aller prendre son avion pour aller à Paris. Lui, il s'est dit, 6 heures, il est à Charles de Gaulle. Il a la réponse Charles de Gaulle. Il va à Paris. Abrochine dernière à Otino. C'est pas un rendez-vous de visa, il a déjà eu visa dans le passeport. Non, il n'y a plus de problème. Il a bien d'avion, il va prendre Air France pour battre. C'est là, sorcier va lui montrer qu'il a mis sucre dans papaye. Il a poussé le taxi. Le taxi est parti. Destination connue, il est parti. Il est là. S'il faut pleurer, s'il faut crier, quand c'est comme ça, ton âme quitte en même temps. Là, tu vois ça en rêve. Tu vois ça comme rêve. Attends. Est-ce qu'il faut crier? Tu veux voir Paris dans quelques heures, à 6 heures, tu es à Paris. Sorcier! Eh, mais c'est où tu jouais, sorcier? Sorcier, ils n'ont pas de sentiments, hein? Ah, bah, il faut y avoir des bignons, des bignons. Eh, bah, qui? Passeport! Oui, à visa, c'est resté dans la boîte de taxi. Valise, commission à goûter des gens, hérisson, jimbré, blala des gens, c'est resté dans le sac. Taxi est parti. Il est là. Il a eu visa. Il va voyager. Parce que c'est parti. Quand c'est comme ça, toi, Abidjan, tu prends au sérieux. Parce que tu as eu visa, il faut qu'on s'occupe de toi. Mais quand ça ne marche pas, monsieur, on est au village. Hein. On ne te tend plus trop de blagues, bien, on a les petits, bon village. Donc il est là, il allait voir Interpol. Cette police-là, je sais plus, les affaires, les recherches. Il allait voir Interpol de zéro. Pendant un mois. Ils lui ont dit, ah, c'est Abidjan. Ah, Abidjan, tu peux. Ici, là, c'est mort subite, au moins une fois. Okay, ah, on pensait que c'était Paris, c'est ça qu'on te demandait. Si tu vas t'envoyer. Il est parti au village. Ils l'ont ramené cave départ. Là où il y a la sorcellerie, il y a le retard. Tu en vis, le sorcier peut te ramener au village. Quel tout ton foyer pour te ramener au village. Il est un bizarre, buvait des balais, coutoukou. Celui qui te marie. C'était bien, soit. Quand il veut dire bonjour, même, bah, c'est coutoukou balais. Même si on a une question, vous, on peut se faire. Amen. Amen. Nous sommes entrés dans le village. Mais en patrouille, pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais pour aller dans le village à Balebo. C'est comme ça qu'on appelle le village Bogreco. On allait dans le village là pour attaquer la sorcellerie. Et là, son papa, on l'a attrapé. Nous, quand on nous invite dans le village, on attrape les sorciers. Si le chef dit, commencez là. Dans maison, on attrape. Hein. C'est le chef, non, mais non, nous c'est comme ça. Ton papa dedans le prend. Il va venir parler. Nous c'est comme ça chez nous. Ce soir, on l'appelle brigade anti-sorcier. Brigade anti-sorcier. Quand on vient, on fait, on attaque la société. Et bien sûr, elle va attaquer. Elle vient, on l'a pris. Il a reconnu. Non, et puis il a commencé à parler. Pour nous, on ne cache pas. Nous, ce n'est pas les confessions entre le prêtre et le fidèle. Non, hein. Ce que tu as fait là, tu dis ça devant tout le monde. C'est ça qui énerve les gens. Mais eux là, nous on est lumière, eux sont ténèbres. La meilleure manière de délivrer un sorcier, c'est de l'amener publiquement parler. Ça brise l'alliance et le pacte qu'ils ont signé dans le royaume de la sorcellerie. Il a parlé. Et puis il revient sur l'histoire. C'est là qu'on a entendu l'histoire. Nous on ne savait pas. Il dit lui, il a fait quelque chose à son enfant qui n'est pas bon.
et que son fils devait voyager, son fils ne lui a pas dit au revoir. Vous cachez, vous dites non, je me cache, je me cache. Oh, où je vais à la société, hein? C'est un sorcier où je vais comme ça. Et ils sont à Paris, ils se cachent. Quand tu es à Paris, mes sorciers vont dans ta chambre. Il va te dire bonjour, tes chiffres souvent. Il dit où on va pas boire tout le temps, on va dire où on va être la donne. Elles en marquent, ils prennent ça le soir, la nuit. Ils sont à Paris, c'est 15 minutes. Elles en marquent. Ils sont à Paris, c'est 15 minutes. Air France, ça fait 6 heures. Elles en marquent, c'est 15 minutes. Tu dis pas où. Et là, ce qu'ils ont, ils ont des grands connaissances et ils cachent ça pour eux. Mais les niquets pas, comment va les niquets? Ces balais, ils prennent, ils sont partis, ils amaka. Ils vont là-bas à Paris. Non, et ma tante, et mon frère, mon oncle est sorti, ils me cachent. Ils m'ont dit bien, nous sommes là, au Liban, ils ne nous confient pas. C'est ce qu'ils aiment bien. Ils veulent pas. Et les sorciers, comme vous ne venez plus au village, ils ont une stratégie de rapprocher. Ils se rapprochent maintenant de vous. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais pour le Seigneur. Donc le vieux dit, mon fils ne m'a pas dit au revoir. Moi, on croit plus tôt, on gagne. Ok. Je suis allé à Abidjan. J'aime bien Abidjan. On est comment? Il dit, je me suis transformé en tachimètre. Mon nom, le vieux, on parle pour Akatiou, qui est bon en taxi, moi. C'est le fils. Le fils est levé de l'assemblée, puis il est venu l'écouter. C'est là où on a connu l'histoire. Il dit, c'est moi. Quand il partait à Abidjan, le taxi, tu as arrêté là. Taxi, c'est mon taxi, les sorcelleries. Mais pas nous, taxi. J'ai monté dedans. Là, fou. Je suis pâté tes papiers. Non, faut me gonner dans ma parole. Là, il pensait qu'il ne te voyait pas. Oui, il dit qu'il y a mon mot. J'allais à Paris. J'ai laissé mes 2 hectares de cacao. Mais tu mets coco, hein. Cacao vécu, là. Je ne donne même plus quelque chose. Demi-sac. Il a ramené l'enfant au village. Oh, moi, on est. Il n'a pas commencé à pleurer. Frère, quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es même pas l'abri de la sorcellerie. Tu es exposé à la sorcellerie. Il peut détruire ton rêve. C'est Jésus. Là, c'est au moment vraiment né, il faut mourir et on va nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu une action très forte du Seigneur pour qu'il soit délivré. C'est Jésus, nous, non. Ah, on va délivrer. Le diable. C'est un voleur. Le diable, il détruit. Il passe par son leur agent qu'on appelle les sorciers pour détruire la vie des gens. Et quand il y a la sorcellerie quelque part, on sent des séries de malheurs, de blocages. Rien n'avance. Tout est bloqué. Et toi-même, tu sens ça. Toi-même, tu sens que tu es bloqué. La personne d'abord qui sent, c'est pas un homme de Dieu, c'est toi-même qui sens ça. Non. Au moins, il y a un nian. Parce que c'est toi qui sens le besoin. C'est toi qui ressens ça. Dans ton cœur, la frustration. Tu es frustré, tu sais que tout est bloqué autour de toi. Mariage, ça ne marche pas. Tu fais des tentatives plusieurs fois, tout est bloqué. Ça veut dire, il y a une main obscure dans ta vie. C'est que, à sa Bible, au mais on ne s'assoit pas. Ouais, j'ai dit comme ça, le besoin de délivrance, c'est toi. Hier, j'ai donné mon message, j'ai parlé de Bâtiment. Bâtiment, bien qu'il soit aveugle, mais il avait des oreilles pour entendre. C'est pour dire, si tu ne te lèves pas pour régler ton problème, tu vas mourir dedans. Parce que la délivrance, ça se désire. Si tu veux que Dieu te délivre, c'est toi qui sens le besoin et c'est toi qui viens vers Dieu pour que Dieu te délivre. C'est la famille là qui a senti le besoin. C'est la famille qui a senti le besoin. Et Dieu nous a conduit ici pour la délivrance de la famille. Amen. Alléluia. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi ce soir. Si tu veux être délivré, c'est que le cœur. Ça dépend de toi. Tu sens qu'en toi, tout est éteint. Tu sens qu'en toi, tout est éteint. Et ça, tu vis ça. Seul Jésus-Christ peut encore te sauver. Seul Jésus peut te protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Amen. Ceux qui veulent voir Dieu les délivrer ce soir, levez les mains. Les mains. Celui qui veut voir Dieu, les délivrer ce soir, qui lève les mains. Cette année, ton frère est venu.
Il faut que ce soit le Seigneur étende sa main, qu'il vous sauve ce soir. Vous allez lever la main. C'est toi qui s'est levé. Parce que tu as senti le besoin. C'est toi qui sens le besoin de rencontrer Dieu. Tu vas prier ce soir. Tu vas lui dire, j'ai besoin de toi. Je sais que rien ne va dans ma vie. Je sais que j'ai été bloqué. Je sais que tout est bizarre dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Prie le Seigneur avant que je prie pour toi. Nous prions. Nous prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te prions dans ta souveraineté. Te manifester, manifeste-toi dans la vie de ces bien-aimés. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur la manifestation de ton pouvoir. Merci pour ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Merci. Merci de te manifester. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je reconnais mes péchés. Pardon tous mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous vous taisez, vous levez toujours la main que je prie pour vous. Je prie que la puissance de Dieu vienne ce soir se manifester dans vos vies. Je vais chasser le diable de ta vie ce soir. Je vais parler au pouvoir du diable. Je vais parler au pouvoir du diable. Je vais parler à cette maladie qui est dans ton ventre. La maladie que le diable t'a donnée. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu vous touche ce soir, la puissance de Dieu, Jésus te délivre ce soir, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ te délivre ce soir. Colonne, allez, fais, lâche-moi. La puissance de Dieu vous touche ce soir. Dieu vient te guérir. Le mal dans ton ventre. Oui, reçois la puissance de Dieu. Regarde, quelque chose se passe. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te délivre ce soir. La puissance de Jésus-Christ te libère ce soir. La puissance de mon Dieu te libère ce soir. Comment Jésus te touche. Jésus vous touche ce soir. Jésus vous touche ce soir. Oh, regarde la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oui, Jésus, te délivre ce soir. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Hey, lâche-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Le diable doit partir. Le diable doit te lâcher ce soir. La sorcellerie va te libérer ce soir. La sorcellerie va te libérer ce soir. Il libère ta vie ce soir. Jésus te sauve. Hey, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comme hey, le feu, le feu, le feu, le feu. Hey, le feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez, comment? La puissance de Dieu. Hey, Jésus te sauve. Jésus te sauve. Jésus te sauve ce soir. Oh là-bas, la chakra. Reçois la puissance de la délivrance. Jésus te sauve. Jésus te sauve. Jésus te sauve. Comment? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous touche ce soir. Dieu te touche ce soir. Dieu te touche ce soir. Ils ont pensé à cette jeune fille un masque. Oui. On la voit jeune fille, mais spirituellement, elle est comme une vieille. Je fais tomber ce masque. Je fais tomber ce masque. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la sorcellerie te libère maintenant. Oui, la sorcellerie te libère. Jésus te délivre ce soir. Voici ta délivrance. Voici ta délivrance. Jésus te délivre. Jésus. Jésus
ton sauveur te libère ce soir. Reçois. Reçois. Oh, la chakababa. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. 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 Reçois ce soir. Recevez ce soir la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois la délivrance ce soir. Recevez la délivrance ce soir. Dieu vous délivre ce soir. Dieu vous délivre ce soir. Recevez la délivrance. Reçois ton miracle. 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 La puissance de Jésus-Christ te délivre ce soir. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu vous délivre ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Sa puissance te libère. Ta puissance te libère. Ta puissance te délivre ce soir. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance ce soir. La puissance de Dieu se libère ce soir. Les démons vous lâchent ce soir. Les démons vous lâchent. Les démons lâchent vos vies. Je commande aux esprits de libérer vos vies par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Et la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Et la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Et la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Les esprits, tu lâches. Lâchez-la. Allez! Feu! Lâche-la. Lâchez-la. 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 C'est un ordre. Libérez-la. Libérez-la. Colorez. Feu. Allez. Lâche-la. C'est un ordre. Tu dois la libérer. Lâche-la. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère. Comme le feu. Le feu. Libère-la. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu libères sa vie. Maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus, lâche-la. Va-t'en de sa vie. Va-t'en de sa vie. Elle ne sera pas ton esclave. Elle ne sera plus ton esclave. Lâche sa vie. Libère-la. Au nom de Jésus, la puissante main de Dieu te libère ce soir. La puissante main de Dieu te libère. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance de la délivrance. Recevez la puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance. La main de Jésus-Christ te libère. Sa main vous libère maintenant. Je condamne tout esprit dans ta vie. Je condamne. Je condamne. Les gens veulent t'initier à la sorcellerie, soit en train de combattre ou te mettre dans la sorcellerie. Ce soir, je te libère. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Pour lâcher sa vie. Je refuse l'initiation à la sorcellerie. Je refuse l'initiation à la sorcellerie. Lâchez sa vie. C'est un ordre. La main de Dieu te libère ce soir. La main de Dieu te libère ce soir. Sa puissante main te libère ce soir. Reçois la puissance de Dieu. 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 Donne! Libérez-la. Touche plus à son âme. Touche plus à sa vie. Touche pas à sa vie. Tu m'attends. Lâchez-la. Lâchez-la. C'est un ordre. Libérez-la. Libérez-la. Allez. Lâchez-la. C'est un ordre. Va-t'en. Libérez sa vie. Jésus vous guérit maintenant même. Jésus
vous guérir. Recevez le miracle de Jésus-Christ ce soir. Reçois le miracle de Dieu. Jésus te touche. Jésus te guérit ce soir. Jésus te guérit et te touche maintenant. Reçois ton miracle. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. La main de Jésus te guérit ce soir. Sa main te libère ce soir. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. La main de Dieu te touche ce soir. La main de Dieu te touche ce soir. La puissante main de Dieu te touche ce soir. La puissante main de Dieu te touche ce soir. La main de Dieu te touche. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de la délivrance ce soir. Jésus te délivre ce soir. Jésus te délivre ce soir. Sa main te libère. Lâche-la. 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 La main de Jésus te délivre ce soir. La main de Jésus te libère ce soir. La main de Jésus te libère ce soir. Le miracle de Jésus te touche ce soir. Reçois la puissante main de Dieu ce soir. Jésus-Christ te délivre ce soir. Sa main te délivre. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. La main de Jésus vous délivre ce soir. La main puissante de Jésus vous délivre ce soir. La main puissante de Jésus-Christ vous libère ce soir. Recevez la délivrance. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. La main de Jésus-Christ te délivre. La main de Jésus te libère. Sa main te libère ce soir. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable lâche ta vie. Il libère totalement sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. La main de Jésus te délivre ce soir. La main de Jésus te délivre. Lâche-la. Lâche-la. Comment aller? Lâche-la. 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 Je brise les chaînes de la captivité. Et tu lâches ta vie. C'est un ordre. Lâche-la. Tu vas la libérer. Tu vas libérer totalement sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas libérer totalement sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas libérer totalement sa vie dans le nom de Jésus. Reçois ce soir la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois. Allez. Quitte sa vie. Tu la libères. C'est un ordre. Tu vas partir de sa vie. Tu vas la libérer. Lâche-la. Quitte sa vie. Quitte sa vie, c'est un ordre, lâche-la, lâche-la, c'est un ordre, vous libérez totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance qui est dans le lâche-la, lâche-la, comme le feu, allez, allez, lâche-la, lâche totalement sa vie au nom de Jésus, la main de Jésus te libère ce soir. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. La main de Dieu vous délivre ce soir. La main de Jésus-Christ vous libère cette nuit. La main de Jésus te libère. La main de Jésus vous libère cette nuit. Recevez la grâce de Dieu. 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 Recevez la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Recevez la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Recevez la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Recevez la puissance qui est dans le sang de Jésus. Recevez votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vive au nom de Jésus-Christ. Je vous communique la puissance de Dieu. Je vous communique la puissance de Dieu. Je vous communique la puissance de Dieu. Je vous communique la puissance de la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissante main de Dieu te libère ce soir. Comme le feu consume vos œuvres.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à mettre la main sur la tête. J'ai pris que la puissance de Dieu. Il faut commencer à prier. S'il y avait la mort sur toi, il faut commencer à chasser ce que tu vis. Il faut commencer pendant que ta main est sur la tête, tu commences à prier toi-même avant que je n'intervienne. Commence à prier. Je vais te voir prier. Je vais te voir prier. Dieu, nous prions. Commence à prier. Que la puissance de ton esprit vienne délivrer ce bien-aimé. Que ta puissante main vienne délivrer ce bien-aimé. Que ta puissante main vienne délivrer. Au nom de Jésus-Christ, c'est bien aimé. Que ta puissante main vienne délivrer, c'est bien aimé. C'est lui. Encore une prière. Que la puissante main de Dieu vous délivre ce soir. Que la puissante main de Dieu vous libère ce soir. Que la puissante main de Dieu vous libère ce soir. Je brise le pouvoir de la mort. Je chasse et je condamne l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne les esprits, les ténèbres, au nom de Jésus, la puissante main de Jésus, la puissante main de Jésus, la puissante main de Jésus, la main de Jésus vous touche ce soir, recevez la délivrance, Dieu vous délivre ce soir, je chasse l'esprit des morts, je chasse l'esprit des morts, je condamne le pouvoir de la mort, de la sorcellerie, l'esprit du célibat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main de Dieu vous délivre ce soir, sa puissante main vous délivre ce soir, la main de Jésus-Christ vous libère ce soir, je condamne l'œuvre et la sémence du diable est dans ta vie, toute sémence du diable dans votre vie, je condamne la sémence du diable dans votre vie, au nom de Jésus-Christ, je proclame la puissance et la victoire de Jésus sur ta vie. Que la sémence du diable soit détruite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et la main de Dieu sur ta vie maintenant. La restauration. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. La puissance de Dieu restaure ta vie. Reçois ce soir la délivrance. Reçois ce soir la délivrance. La main de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissance de Dieu, je condamne l'esprit de la sorcellerie dans la vie de cette jeune fille. Donne ! Je condamne cet esprit par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Et la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance qui est dans le sang de l'agneau. La puissance qui est dans le sang de Jésus. La puissance qui est dans le sang de Jésus. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Comment ? Le feu. Le feu. Tu lâches sa vie. C'est un ordre. Tu vas la libérer. Je vais condamner tes œuvres. La puissance de Jésus-Christ, la puissante main de Jésus, la puissante main de Jésus te libère ce soir. Je condamne tes œuvres. Je condamne tes œuvres. Je condamne tes œuvres. Je condamne tes œuvres. Puissance des ténèbres. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Au nom de Jésus. Allez! Allez, le feu sur toi. Lâche-la. Lâche-la, allez. Le feu. Allez. Le feu, allez. Le feu sur toi. Le feu, allez. Feu, feu, feu. Elle est l'esprit, la sorcellerie qui se manifeste en elle. Allez, feu. Le feu. Lâche-la. 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 Le feu consume tes œuvres. Le feu. Libère-la. Tu vas la libérer ce soir. Tu vas la libérer ce soir. C'est un ordre. Allez. Le feu sur toi. Libère sa vie, allez. Libère-la. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres. Esprit des ténèbres. Lâche-la. Lâche-la. Lâche sa vie. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas lâcher sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Dans le nom de Jésus. Feu!
Quitte sa vie. Quitte sa vie. C'est un ordre. Oui, c'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Lâche. Tu vas lâcher sa vie. Puissance de ténèbres. Quitte sa vie. Lâche son âme. Lâche totalement sa vie. Tu m'attends. Libère totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je détruis, je condamne tes œuvres. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Allez, tu lâches totalement sa vie. Tu m'attends. Tu vas libérer sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. On continue de prier que la main de Dieu vienne vous libérer. Que la puissante main de Dieu. Ouvrez la bouteille. Que la puissante main de Dieu. Que la main de Jésus-Christ vous libère ce soir. Que la main de Jésus vous libère ce soir. Recevez la grâce de Dieu. 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 La famille, mettez-vous là. Venez là. Vous avez une plateforme. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait et continuera de faire dans votre famille. Dieu, il est souverain, il est puissant, il est merveilleux. Nous allons poser une âme pour que tu vois la fille. Dans le Saint-Esprit, nous posons une action qu'on appelle un tandem prophétique. Est la source, le point de départ de toute cette famille. Je pose une action prophétique. Tout ce qui a été fait qui maintenait cette famille dans la captivité est aujourd'hui brisé par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Toute forme de blocage, même la mort, une mort prématurée est détruite aujourd'hui par la puissance qui est le nom de Jésus. Amen. On va commencer à parler ce que tu as fait. On va commencer à parler. Ah, la Nagui. La Nagui. Ne parle pas là-bas, ne parle pas en français. C'est tout ce qu'il y a bloqué dans leur vie, dans leur travail, leur agence, que tout cela soit débloqué. Ok. Je pose cette action à partir d'aujourd'hui. Que cette famille expérimente. Depuis la tête jusqu'aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, désormais, cette famille est déclarée libérée. Et s'il y avait encore des otages, ceux qui étaient encore enchaînés pour la mort, je vous défais ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je proclame ce soir ta libération, ta délivrance dans le nom de Jésus. Je proclame ce soir ta délivrance par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je proclame ce soir ta délivrance par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Ne bouge pas, je vais pas continuer. La
Dieu. J'ai prié pour tous ceux qui ne sont même pas, qui n'ont pas fait leur déplacement ici au village. Tous les membres de cette famille concernés par cette libération. Je proclame une délivrance totale. C'est la vie de chaque membre de cette famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la mort prématurée s'arrête. Que les blocages financiers s'arrêtent. Que la pauvreté, le non-emboutissement, les difficultés dans les foyers s'arrêtent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la délivrance que cette famille expérimente à compter d'aujourd'hui. Que la sorcellerie soit vaincue à jamais. Dans le nom de Jésus, nous célébrons la puissance et la victoire de Jésus sur la mort, sur la maladie, sur la pauvreté, sur le célibat, sur le blocage. Que la main de Dieu, au travers de cette action, tous ceux qui vont vouloir s'élever pour attaquer un membre de la famille rencontrent la main de Dieu. Rencontrent la main puissante. Une alliance établie en cette famille. Et Dieu, désormais, la puissance de Dieu est à l'œuvre au sein de cette famille. On dit amen. Amen. Ceux qui vous demandent d'aller à l'église. C'est vrai qu'on a prié pour vous. On vous a prêché l'évangile. Mais vous devez vous attacher à une église vivante où Jésus-Christ est prêché. On a fait notre part. Il dit, si vous obéissez ma parole, vos ennemis seront mes ennemis. Si vous voulez que vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu, il faut que vous alliez à l'église, vous achetez une Bible et devenez des véritables chrétiens. Il ne faut pas être des chrétiens de nom. On va dire, le prophète a versé son huile à 6 mois, c'est fini. Non, la vie est là, le diable est encore là. C'est quand tu vas commencer à marcher véritablement avec Jésus que tu verras la protection de Dieu sur ta vie. Que Dieu délivre définitivement cette maison. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, on dit amen. Amen. Reçois le bonheur.